Bonjour à tous et à toutes sur les CNU pour enfin les suites après plusieurs semaines hein, sans Phoenix Apollo Justice et Saturnay. Nous sommes au deuxième jour enquête. Si je me souviens bien du procès de la dernière fois, nous devions savoir qui a tué Monsieur Ledoux, c'est un pressario de la Mirror. Il s'est avéré à la fin que de 1, la Mirror était aveugle, que Thomas, le jeune homme qui l'accompagne et le pianiste, n'est pas aveugle, que Monsieur Ledoux s'est fait tirer une fois dessus mais avec deux impacts, donc quelqu'un a raté le premier coup, et il semblerait que ce quelqu'un, d'après Madame la Mirror, qui serait passé par là sans le savoir, ce serait Darion, agent de Interpol, comme Monsieur Tous évidemment, qui a marqué son matricule avant de décéder. Voilà où nous en sommes. Donc du coup, nous sommes au point mort. Le petit twist à la fin était fort sympathique. On va commencer tranquillement. On va discuter un petit peu de tout ça, parce qu'il faut en parler un peu. C'est-à-dire que c'était Darion avec cette coupe phallique. Je continue de dire que Darion a une coupe phallique. Et c'est fait exprès et c'est beau. Des oreilles d'éléphant. Presque ça. C'est peut-être pas le mot. Oreille qu'il faut. Ah oui, il est tellement cool. Ce qui veut dire que ce n'était pas Darion. Mais alors comment se fait-ce? Eh, si elle arrache des dents, faut pas qu'elle se rate vu qu'elle est avec. J'aime rire. Ah là là. Parce que c'est plus cool. Ah, tu sais, on sait jamais. Est-ce qu'elle cachait de la drogue sous son voile? Hein? Tu peux pas le savoir, et moi non plus d'ailleurs. Exactement, je te comprends qu'est-ce que t'as dit. Maintenant, tais-toi. Ah. Oui. C'est pas toi. Loul. Oh mon dieu, c'est Magical Boy. Que l'on a rencontré et qui a une musique waouh. Incroyable. C'était Magical Boy. L'appareil disparaît. Oh, il est magie. Oui. Ah bah là, c'est lui. Oncle. Ah oui. C'est le grand grimoire. Oui, très bien. Oui. Je ne sais pas ce qu'a fait la musique, mais waouh, incroyable. Ça a fait Kester grosse caisse, Tom Cymbal. Waouh. C'est temps. Mais dis donc, mais c'est temps. Un peu comme la dernière affaire de Phoenix Wright. Ouais. Ouais, incroyable. Je me souviens pas. Waouh, incroyable. Attention.
Waouh, magnifique. Quelle musique. D'accord. Oui, mais évidemment. Oui, d'ailleurs, cette personne, pour ceux qui ne savent pas, c'est la fille de Phoenix Wright. Ah, au secours, je crois plus rien. Help, aidez-moi. Est-ce que j'en ai quelque chose à faire de ta troupe de mon slip? Oui, si tu veux. Ah! Ah! Ah non, ça c'est Houdini, je crois. Alors là, je pense que là, il y a une petite référence au Megatana. C'est vachement bien, parce que c'est super important le Megatana, t'as vu? Les chaînes, le cœur, voilà. C'est comme ça que j'interprète. Zachary Grimoire, waouh. Est-ce que par hasard Zachary est mort? Hein, ce serait marrant. Incroyable, je retombe des nues. Zachary est décédé. Et en plus, c'est le père de vérité. Voilà. Il nous a menti, Phoenix Wright, c'est pas très gentil. De jongler, d'accord, ok. Ok, et la deuxième. Ah, une VHS. Oh mon Dieu. Une VHS. La cinématique. Oui. Ah oui, mais j'ai déjà vu ça, monsieur le juge. Ce qui va me permettre de vous essayer. Voilà, ça, ce moment-là, le flash. Je pense que ce flash est un signal, en fait. Magie. Alors, attendez, c'est là, normalement, que ça brûle. Donc, le signal. Ah non. Je suis sûr que j'ai vu un signal quelque part. Avant, que c'était juste un reflet de lumière que j'ai pris pour un signal. Et on peut voir Gavin qui est en train de détendre sa guitare. Ce qui reste ma foi très beau. Mais je l'ai déjà vu ça, monsieur le juge. Mystérieux? Oui, sûrement.
Ouais. Ça me semble un peu trop facile, Virgile. Déjà, pourquoi tu m'amènes cette cassette? Hein? Pourquoi? C'est toi, à vous. Ah oui, d'accord. Si j'en ai déjà... Elles s'en battaient déjà les... Un seul tour de passe-passe, ouais. Oh. Oh. La téléportation. Oh. Oh. Ah bah, je veux bien. Hein, je suis avocat et j'ai besoin de cette information à tout de suite. Oh là là. Oh là là. Ah non. Ah chat. Ah d'accord. Ah il a pas tort. Tu pointes pas de sceptre sur moi déjà. Tu es gentil, mais calme-toi. Oh les jongles. Que je... Waouh. Incroyable. Que tu... Évidemment que tu as... Bon. Eh bien, génial. Ah, oui, le cœur. Bon, ben, on se revoit tout à l'heure. Hein. Allez, des bisous. Oh, tu jongles super bien. Hein, il disparaît. Ouais, c'est moi qui travaille. Hein. Ah, moi je veux savoir. Bah, parce qu'ils font partie de la même famille. Non? Non? Non. Oui, c'est vrai. Oh, on a compris. Ah bah, il est aveugle. Enfin, il est aussi aveugle que moi. Bon, écoute-moi bien, ce qui est merde. Je sais que tu comprends pas ma langue, mais je vais te frapper. Oui. Non. Non, 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 non. De toute façon, il comprend pas ce que je dis. Donc, qu'est-ce que j'ai à perdre? Oh. C'est bien. Dis donc. Aïe. Ça c'était mon casque. Oh, j'ai d'avoir un vieux bruit de basse. Ah, ça pique. Hop. Ah, j'aurais dû baisser les basses. Ouais, j'ai mal. Voilà. Mais ça fait mal. Mais arrêtez. Enlevez-moi cette merde. Bah j'en sais rien. Peut-être qu'il a Google Trap dans sa tête. Tu t'es regardé. Et si en vrai, il parlait français? Non, moi je lève, je t'ai vu. Non mais c'est bon là quoi. C'est mon devant vert et c'est lui qui se fout de ma gueule. Bon, tant pis.
Eh ben, cassons-nous, sale gamin. Ah oui, c'est vrai. Alors, demi-tour. On fait donc tourne à droite. Et on va au Colisée. Ouah, c'est grand. Et puis en plus, c'est 2 jours. Mais fous-moi la paix, toi! Putain, mais regarde-moi cette personne, elle me dit oui, allez, vas-y, montre-moi ce que tu voulais, oh là là, regarde, mais fous-moi la paix! Alors, regardons un petit peu. C'est un très très beau colisée. Il est grand! Non, tu es bleu. Montgolfière, la montgolfière, mon dirigeable aussi. C'est un clown. Oh le lutin bleu, ouais. J'adhère à rien. Laisse-moi tranquille. Bon. Avançons. Il y a toujours l'oreillette par terre. Incroyable. Incroyable. Non, toi, tu m'as menti déjà. Alors déjà, qu'on soit d'accord, hein, de toi à moi. Me dire que c'est Dorian, un agent d'Interpol, qui était avec Monsieur le Tous. C'est incroyable. Précédemment, dans les révélations de fin d'épisode, Dorian. Yeah. Bon, Thomas, parlons de ce petit homme. Thomas, ah bah ouais, et pas qu'un peu. Oui,
Mais qui? Et si en fait Monsieur Le Tout c'était un agent double? Ah bah oui aussi. L'obscurité. Waouh. Ah dans mon cocolo. Je ne sais pas. Improbable ou bien mystérieux. Bon, j'ai une question. J'ai un truc à te montrer, hein, grâce à cette cassette vidéo VHS que je ne peux pas dire, que tu ne peux pas regarder en fait. Ah non! Ah zut! Ah je suis déçu! Ah! Que maintenant tu t'en souviens? Oui. Je viens de frapper parce que ce jeu m'ennuie. Oui, tu as trébuché sur une oreillette qui est là depuis hier soir, que je ne peux pas ramasser. Et ça m'emmerde! Cela est une oreillette droite. Non, tu touches pas. Incroyable. Bon, j'ai donc l'oreillette. Est-ce que tu peux me parler de cette oreillette? Oui, ça normalement, ça semble obligatoire. Limité à 10 mètres, c'est peu. Ah. Oui, c'est pour ça que tu parles au ralenti. Je ne... C'est pas Billy. Bon, j'ai plus rien à faire là, j'ai tout visité. Allons voir la scène. Alors. Bah si. C'est Magical Boy. Ah mais sûrement, mais c'est incroyable que tu sois Virgile, putain, c'est fou un peu ce qui se passe en ce moment là, ça tombe bien. J'ai envie de te parler mon petit Virgile.
Ah, c'est fou quand même. Donc gamin. Ah bah je ne sais pas. Écoute, je ne sais pas. Arrête. Attention, la magie. Oh oh, magie, tu comprends pas. Ah non, le téléphone. Ah bah le piano. Il manque une touche. Oui. Mais pourquoi le piano? La guitare et maintenant le piano. Quel mystère. Quel mystère mystérieux. Waouh, il a eu mes pensées les plus pensées. Oh, histoire. Attention, moment triste. Ok, pas moment triste. Zachary, je ferai pas la blague avec le cheval, c'est mort. Mais genre, est-ce qu'il a disparu? Genre, il est mort ou est-ce qu'il a disparu? C'est pas clair. Alors, parle-moi de Zachary. C'est bien, en vérité, merci. Je le savais. Ouais, waouh. Elle est bientôt majeure, donc calme-toi. Bon, Zachary, tu m'aides. Non, mais Zachary, tu m'aides pas. Casse-toi. Pas Zachary. Oh, Virgile. Ah, je sais plus. Bon, le piano. C'est du piano. Il y a eu un bruit. Ah, il y a eu un oui. Qu'est-ce que c'est que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que ceci? Un interrupteur, mais voilà que c'est étrange. Mais regardons ceci.
Un interrupteur, mais à quoi sert-il? Ne touche pas. Et là, ça touche. Les petites blagues, quand même. Les petits... Ouais, mais les boutons rouges. Attention. Pas mal. Non, mais moi, je pense que c'est une possibilité. Bon, j'ai plus rien à faire. Qu'est-ce que j'ai pas vu, la loge? Ah, ça pique. Ah, elle est encore là à bouffer ce truc. Qui grignote parce qu'elle va devenir grosse. D'où le stress. Bah, normalement, tu es contente de faire ton travail. Non? Ouais, ton chef, c'est incroyable, hein. C'est incroyable ce qui se passe. Waouh, grosse récompense. Je pense que, ouais. Tu as trouvé quelque chose? Oh, Amaze. Mais dis-le moi. Oh, discute. Mais dis-moi ce que t'as trouvé, s'il te plaît. Oh, tout de suite. Ah, c'est pas tort. Ça me semble vachement compliqué. Ouais. Je sais pas, parce que la vie est une pue. Non. Ah, c'est... alors on a dit que c'était une possibilité. On n'a pas dit si c'était vrai. Je dis possible, attention. Sûrement, écoute. Hein. Mais tu le fais exprès. Faut arrêter d'être susceptible. C'est une... quelque chose. Une antenne, waouh. Hey, hey, c'est quand même vachement ballot parce que j'ai trouvé un truc tout à l'heure, c'est un interrupteur. Et si on appuie dessus? Waouh. On a mis le feu. On a mis le feu. Bon bah tant pis hein. Un amorceur.
Mais c'est que t'es marrant, vérité. T'es vraiment très marrante. Waouh, un émetteur. Waouh. 10 mètres? Oh, mais comme les oreilles, dis donc. C'est quand même impressionnant. Oui. Ouais. Ok. Je réfléchis de manière de manière sérieuse. Je brûle, amorceur, brûle, briquet. Bon, bah c'était sympa. Allez, cassons-nous. Bon. Bah j'ai plus rien à faire. Quoique, la loge là, il se passe rien. Il se passe rien, donc du coup, bah j'ai plus rien à faire. Donc, sortons. Ah, il se passe un truc. Que se passe-t-il? Monsieur Fally. C'est con la vie. Eh ben dis-moi tout, Gavin. Je suis ton ami. Fous-moi la paix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mais en temps normal, sauf que là, eh ben, tu es démis de tes fonctions, suspendu. Comme un suspect. Oui, tu as une belle coupe phallique. C'est rien. Je commence à avoir une idée. Je commence à avoir une idée de pourquoi tu t'es raté comme une grosse merde. Peut-être, mais je ne suis pas certain.
Du coup, je vais me taire et on va voir le bureau de Gavin. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Walala, des écrans. Une guitare. Ah, brûlée. La guitare brûlée. La fameuse guitare brûlée. Ah, Gavin est au téléphone? Ouais. Non. Incroyable. Une réplique. Clic. Ah, c'est con la vie, hein. Ah non, ça merde encore la musique. La musique merde un peu, hein, je m'en excuse. Mais on fait avec. Bah toi, du coup. Bon. Mais de quoi allons-nous discuter? De l'affaire, évidemment. Waouh, c'est bien. Un concert tragique, la chanson mortelle du procureur MDR. Ah oh là là, c'est incroyable. C'est pas paralysie. Ah là là. Des titres putaclic. Et oui, déjà dans le journal. Comment c'est ça qu'on le tue avec une chanson? Mais foutez-moi la paix. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Eh, fous-moi la paix. Ah, alors lisons les gros titres. Tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec l'article. Je pense pareil. J'en sais rien. Bah écoute, hein. Mais j'ai gagné un journal d'une langue que je ne connais pas. Ah bon? Oui, mais je comprends, et moi aussi, et tout le monde en fait, mon cher Gavin. Mais ça, j'ai pas l'impression que tu le comprends. Par contre, la musique va vite m'ennuyer, je pense que je l'ai coupée. Tu as pleuré. Oh. Mon influence, ouais. Ouais. L'influence de procureur de la France. Lol. Mais laisse-moi tranquille, toi. La guitare complètement brûlée. Bah, elle a un peu brûlé, quoi. Ouais. Ah, mais c'est la question que je me pose et je pense avoir une idée. Pour moi, je me pose quand même cette question, c'est... Est-ce que par hasard, hein, le récepteur briquet, voilà, machin... On l'aurait pas mis dans ta guitare, hein, c'est par pur hasard hasardeux, hein.
Ah bah... ou pas, remarque. Et paf, ça brûle. Oui, il est content. Oui. Surprenant. Oh là là. Quelque chose qu'il faut approfondir. Donc, lui parler. Voilà. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. Non mais arrêtez de me parler de choses dont j'en ai rien à faire. Dites-moi des trucs que je veux savoir, s'il vous plaît. Alors après, l'humidité, je veux bien, mais la pression sur du bois verni. Ah ouais, emballage sous scellé. Ne pas ouvrir. Waouh. Ah bah oui, ça a l'influence. Oh là 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 là. Ah là là, c'est vraiment dommage. Oh, je pleure. Pardon. Oui, je veux savoir ça. Qu'est-ce que tu as découvert? Oui, c'est pour la résonance, me semble-t-il. Incroyable! Oh, je m'y attendais absolument pas! Ah, mais ne serait-ce pas un brûleur? Ah, est-ce qu'on lui dit ou est-ce qu'on lui dit pas? Ah, je sais pas trop. Bon, sinon, c'est quoi ce truc sous vide, la cloche là? Du chewing-gum, quoi? Quoi? C'est un truc. Oh non, non. Mais vous foutez. Ah mais c'est incroyable. On dirait un gamin. Un gamin. C'est une copie de ce que je fais. Une copie. Ah allez, on recommence. Hein. Allez, discuter. La boule. Étrange. La boule étrange. Une réplique. Oui, mais une réplique de quoi? C'est incroyable parce que moi je vois des empreintes dessus. Je suis pas le seul. C'est bête. Et pas étonnant. Pour une boule. Incroyable. Il y a des gens qui payent leur vie pour quasiment des choses pas super importantes. Et bah ça tombe bien. Je vais faire demi-tour. Voilà. Parce que je l'ai décidé. Oh non, mince, oh, j'ai oublié un truc. Idiot que je suis. J'ai oublié de montrer un truc à Gavin.
Non, Manon. Flûte. Je m'ai trompé de touche. Non. Ah. Voilà. Non, non, mais moi je veux savoir, hein. Non, mais. Ah non! Peut-être que tu connais ça alors. Je ne sais pas. Quoi? C'est tout? Ouais. Oui, alors évidemment. Waouh, c'est beau. Ok, très bien. Eh ben, travaille. Et il se casse. Et bah voilà. Ah bah qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah Emma, t'es là. Bah elle est pas partie. Super, la meilleure, j'aime. Pouce bleu. Bon, bah voyons. Elle est dans sa loge. Non. Pas la loge, ok. Bon bah si pas la loge, bah la scène, hein, ça me semble logique. Ouais, ça me semble logique. Et il fait tout noir. Super. Ah bah oui, c'est ballot. Waouh. Je ne sais pas. Peut-être. Ah. Alors attends, la scène est toujours aussi bancale, le piano il est là, la table de message, l'ordi, la table, la chaise, l'étui, ça n'était pas là, c'était pas là ça, c'était pas là ça, non, non c'était pas là, je suis pas certain. Bon, et ben je... Et ben go, hein, voilà. Oui. Ney. Au secours. Je
Waouh! Oui, pour te... Oui. Pourquoi pas? Elle est en train de mourir, c'est ça? En train d'étouffer? Quoi? Oh, ta gueule, vérité, ta gueule! Ah, t'es vachement. Tu t'es remis vachement vite sur pied, toi! On va dire que ça. Qu'est-ce que t'es passé? À part te prendre un énorme coup dans la gueule! Ouais. Oui. Ouais. Et paf! La pastèque. Ah oui, d'accord. C'est pas mal. Ah oui. Évidemment, ça me semble... Je ne sais pas, qui suis-je, qui sais-je, que sais-je, que Serge? Qui est Serge? Je ne sais pas. Bon, par contre, j'aimerais qu'on discute d'un sujet, ma foi, fort épineux. Cette chose, que je ne sais pas ce que c'est. C'est un truc... Ça aide vachement. Ça aide vachement. Est-ce que c'est est-ce que l'argent est quelque chose est-ce que c'est à cause de l'argent, la monnaie, hein, monnaie, monnaie, monnaie. Elle est pas borginaise. Ça vaut cher. Oui, c'est presque pareil. La peine de mort, la peine de la muerte. Parce qu'il y a un réseau de trafiquants. L'argent, la thune. La thune. Ah bah tiens. Impossible. Ah, si tu savais, hein. Du trafic, c'est... Oui. Ah, et si c'était... Thomas. Cette révélation
presque pas incroyable. Elle a compris. Et oui, car en vérité, le coupable du trafic de cocon, c'était Thomas. Ah, réaction. Attention, traduction. Alors, ciseaux, un œil, un œuf, des vagues, prières, shoryuken, des trucs et des machins et des bidules. Eh bien, en fait, c'était le journal, ou bien la guitare, mais encore plus, la réplique. Touché. Oh, cette révélation incroyable de violin. Oui. Ah, parce que j'ai le temps. T'as... Hey, j'ai le temps, t'as vu? Le princesse est demain. Oui, tout à fait. Tout. Ou presque. Ou peut-être. Ou je bluffe. Couper des vagues dans l'œuf. Et être musclé avec une feuille. Comment on va? Très bien, tout ça pour très bien. Tout ça pour très bien. Quoi? Quoi? C'est un cocon, mais... Comment bas? Ouais. Un remède. Ah. Oui, ça va, voilà. Oui, tout à fait. L'incuratrice. Ah, je connais ça. Ouais, je... J'en ai entendu parler dans un jour. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu te rends compte le nombre de pognons que tu peux te faire avec ça? Non, vérité, si jeune et si raison. Oui. Un remède, ouais. Est-ce que Thomas a de la curatisse, hein? Est-ce qu'il est malade? Non, il est malade. Non, il n'est pas trafiquant, il est malade. Il est malade. Non, il est malade. Ah, grosse discussion sérieuse. Merde. Je suis pas du tout surpris. Ah bah... C'est ce que je dis quand même depuis un moment, les gars. Écoutez. Bah non, je peux pas. Parce que déjà, t'es en prison, actuellement, en centre de détention. Ah, je ne veux pas. C'est la mort. La mort. Oui. Oui. Oui, vas-y. Attention. Putain, ça... Oh, ce timing est incroyable. Oh non. Oh, quel dommage, Dorian. Connard. Voilà. La sale Dorian.
Ah. Tordu, espèce de... Pas gentil. Mais c'est pas gentil. J'ai rien fait, moi. Faire ma faute si t'es coupable, témoin, je sais pas. Parce que tu sers à rien. Je réfléchis. Oh là là, je sais après qui. Et en fait, c'était Dorian. Parce que Dorian est un connard. Lol MDR. Je dis Dorian, mais je sais absolument pas en fait. Bon, et ben du coup, c'était un truc. Ça m'a... Là, tu vois, je suis un peu déçu parce que ça ne m'a pas procuré les mêmes émotions. Je m'attendais à la fin qu'on me dise, hé, en fait, c'était ça, ou bien c'était lui. Et là, je me dis, oh, j'y avais pas pensé. Sauf que bon, Enfin, les déductions étaient faciles. Les déductions sont très faciles, les hypothèses aussi, du coup, moins de surprises. Va donc s'enchaîner, je pense, les derniers procès. Je sais pas combien de temps il va durer. De 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 000 ans, je ne sais pas. Mais je reste quand même sur le fait que Dorian, ouais, je veux dire Dorian, mais vraiment, vraiment pour dire, hé, c'était lui parce que, hé, tu voulais me faire peur, mais en fait là, et non, j'avais deviné. Je ne sais pas. Bien, bah du coup, c'était la reprise tranquille de Apple Justice. Bientôt la fin, du coup, de l'épisode 3. T'as déjà l'épisode 3, c'est vrai. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu, à un commentaire, à regarder ce qui est sur la chaîne et à vous abonner si le contenu vous plaît. Y a un Twitter et puis voilà. Merci à tous. Bon jeu et à la prochaine pour la suite de Ace Attorney Apollo Justice, l'œil de la vérité.